Fait que bonsoir tout le monde. On espère que l'éclipse solaire d'hier vous a ébloui tous et toutes. Et certainement, ce phénomène rarissime a été sensationnel. Moi, en premier, je vous dirais, je l'ai contemplé avec particularité, alors je vous dirais. Donc, cela dit, permettez-moi de présenter brièvement. Je me nomme Birou Diallo. Je suis membre de l'équipe de direction du Repos Saint-François d'Assise. Malheureusement, ce soir, notre directeur général, M. Alain Chartier, ne sera pas des nôtres. Somme toute, je tiens mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du Repos Saint-François d'Assise et même celle des Fauteuils à vous souhaiter, à vous exprimer nos chaleureux mots de bienvenue à la présente soirée rencontre sur le deuil. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame de Montigny. Donc, encore une fois, bonne soirée. Le micro fonctionne ou je dois activer, ça va? Alors, d'abord, merci beaucoup, Biro, pour cet accueil. Et puis, je suis contente de vous revoir. Il me semble que ça fait un siècle parce qu'il y a eu Pâques et puis il y a eu finalement l'événement d'hier qui était extraordinaire. Donc, on se retrouve aujourd'hui en toute clarté. Et c'est extraordinaire de vous accueillir en bon nombre. Merci de votre intérêt. Merci énormément d'être là. Je salue également les gens qui sont avec nous sur le web et qui sont soutenus par notre collègue Christine Goyette, qui s'occupe aussi de bien les aider si c'est le cas sur le web. Alors, nous sommes tous ensemble et là, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter mon invité. Mon invité, Gilles Deslauriers. Vous savez, je le connais, ça fait plus de 30 ans. Tu te souviens, La première Gilles? place où on s'est vu, c'est à ton bureau. À mon bureau. Il était venu me rencontrer parce que Gilles, tu me corriges si je fais des erreurs. Gilles est psycho-éducateur de formation. Vous l'avez peut-être lu dans Le Dépliant. Et aussi, à cette époque, il disait, moi, je suis intéressé par la thématique du deuil, et puis j'aimerais ça venir en parler avec toi, Joanne. Et on a eu des discussions, on a eu quelques rencontres. Après, on a continué ce fil de connexion qu'on a toujours eu par les soirées Mombourquette, c'est-à-dire les journées où on s'est rencontrés dans La mort, parlons-en. On a commencé là aussi. Il y avait La mort, parlons-en dans les cantons de l'Est, qui était un grand colloque annuel. Hein, c'était bien. On était ensemble dans ce comité-là. On a été dans le comité après pour la fondation, la mise sur pied de la maison Mombourquette. J'étais sur le premier CA et tout ça. Donc, Gilles a beaucoup contribué à cette naissance de la maison de deuil, Jean Mombourquette, la regrettée maison qui malheureusement n'est plus là, et le regretté Jean Mombourquette qui a été ton mentor, avec qui tu as beaucoup cheminé dans ce désir d'aider les personnes qui ont perdu des êtres chers. C'est lui qui m'a amené en Europe. Ah oui? Après ça, j'ai continué. Oui, parce que Gilles est beaucoup allé en Europe. Rencontrer des soignants, rencontrer des formateurs, rencontrer des personnes en deuil. Et puis là, bien, pour moi, là, Gilles, c'est vraiment un privilège, une joie de t'accueillir. Je connais tout le travail que tu as fait au cours des dernières années, et puis avec la maison des petits tournesols, hein, que tu as aussi, est-ce qu'on dirait initié, mis sur pied, oui. Alors, c'est un visionnaire, un homme, Ça calme. oui, un homme calme, qui m'aide beaucoup à retrouver le mien, hein. Et puis, tout ça pour dire que on va t'écouter ce soir avec ces trois mots si précieux, deuil, errance et lâcher prise. Tu piques notre curiosité. Alors, je te laisse et à 8 heures, je vais venir te rejoindre. On s'installe comme autrefois dans le salon de mon bureau. Non, on peut pas. Pas maintenant. Et puis, on sera en dialogue
avec les gens qui se sont déplacés pour venir t'écouter et avec les gens qui nous écoutent sur le web. D'accord? C'est bon? À tantôt? Ben oui. OK. Je pense qu'on va laisser le micro ici. Bon, des problèmes techniques, je vous l'ai dit tout de suite, je tousse. Depuis 3 jours, sec. Là, hier, j'avais de la misère à parler. Je dis, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai mes petites pastilles, j'ai mon eau. Ça devrait aller. Avant de l'oublier, j'ai pensé à une chose, j'en ai parlé à Joanne. Ce que je vais vous présenter ce soir, globalement, je pourrais éventuellement remettre un diapo à Joanne qui vous serait accessible. Okay? Si vous me voyez sortir un peu de mon texte, là, ça, prenez-le en note si vous voulez le prendre en note, mais l'essentiel de ce que je vous présente, ça sera à l'intérieur de ça. Sur le site web du Repos Saint-François. Infodeuil.ca. ce soir, je vais donner quelques idées, mais je veux surtout vous donner des situations où il a fallu, où on m'a demandé d'intervenir, dans des choses bien, bien terre-à-terre, qui vont peut-être vous donner des pistes. Okay? Bon, moi, mon problème, c'est toujours le même, c'est que j'en ai pour 2 heures, puis j'ai 1 heure. OK? Alors, à 1 heure, je suis certain que Joanne va me faire signe gentiment, doucement. OK? Puis on pourra, à ce moment-là, si vous avez des questions, prenez des notes pour après ça être en mesure de revenir là-dessus, soit dans ce que j'ai dit, ce que ça a pu soulever aussi chez vous, que vous aimeriez partager. Vous comprendrez qu'on ne réglera pas des situations particulières à tout le monde, mais ça peut des fois être un véhicule intéressant pour partager là-dessus. Deuil, errance, lâcher prise. Lâcher prise, c'est un beau mot. Hein. Tout le monde le trouve beau. Mais quand on y pense un peu, puis quand on va là-dedans, c'est pas si simple. Il ne s'agit pas juste de vouloir pour que ça marche. Puis je l'ai mis parce que dans un décès, il y a toujours à un moment donné une part de lâcher prise. Je travaille avec des gens actuellement qui sont là-dedans. Et souvent, qui sont la difficulté est souvent rattachée, enfin, dans ce que j'ai vu, pas tout le temps, au fait de ce que certaines personnes vont porter de la personne qui est décédée. Okay? Porter une peine, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la peine, mais à un moment donné, ça tourne en rond, ils n'arrivent pas à se dégager de ça, et il y a quelque chose à leur remettre. Je vous donnerai quelques exemples comment on peut faire quand on est coincé là-dedans. Vous comprenez que ce que je vous présente, là, c'est pas la Bible. OK? C'est des repères. Mais le travail, fondamentalement, c'est à chacun de nous autres de le faire. On peut s'inspirer d'eux, on peut être éclairé par, mais fondamentalement, la réponse, c'est vous autres qui la trouvez. Deuil, errance, lâcher prise. Deuil, quelques mots là-dessus. Vous avez entendu souvent parler de ça, mais je voulais quand même vous donner quelques éléments. Un texte sur le processus. Vous allez voir que dans ce texte-là, elle parle d'accepter. Mais vous allez voir que tout le processus est dedans. Qui est tiré d'un livre qui s'appelle « Lettre à Myriam, l'adieu d'une mère à sa fille ». Accepter. C'est tellement au-dessus des forces humaines. Cela bouleverse si fondamentalement l'intérêt personnel. Cela ébranle tout. Plus rien ne reste debout. Les choses les plus évidentes sont remises en question et on tombe dans un grand trou noir qui, au début, n'a pas de fond. Accepter, c'est oser perdre, abandonner, devenir petit, être pauvre, ne plus calculer, ne plus faire de projet, tenter péniblement d'heure en heure de rester debout. Accepter, c'est être détruit, c'est mourir un peu. Cela fait incroyablement mal. C'est devenir malade de détresse,
se terrer, vivre dans l'angoisse, crever de misère pure. S'écrier dans son impuissance totale, au secours, où nous périrons tous. C'est redevenir au point zéro. Retourner littéralement à rien. Accepter, ce n'est pas un événement passif. Ce n'est pas une réalité que l'on subit. C'est un processus actif, conscient. De la misère à travailler assis. C'est vrai. Long et très douloureux. C'est finalement dire quand même oui, sans réserve. Et puis, vient enfin, très lente, très prudente, très vulnérable et fragile, la délivrance. Alors, naît en nous petit à petit un peu d'humanité nouvelle. Une humanité pure, débarrassée de toutes enveloppes inutiles. Une humanité qu'on ne pourra désormais plus nous enlever, car c'est une première parcelle d'éternité. Et à la toute fin vient l'étonnement, quand on apprend à se réjouir de tant de belles et petites choses, quand on apprend à être reconnaissant envers une poignée de gens qui ne nous ont pas lâchés durant tout ce temps, quand on apprend à s'émerveiller de ce don exceptionnel que tu as été pour nous tous. La dernière phrase a dit beaucoup de choses. Elle dit: accepter, c'est oser recommencer à vivre. Parce que souvent, dans ces processus-là, j'ai rencontré des gens en état de survie. C'est épuisant. On a même vu une personne mourir de la même maladie que son mari. Et elle n'avait absolument pas dans son historique familial l'histoire autour de ce type de cancer-là. Ça peut aller jusque-là. Petite définition. On voit dans le dictionnaire, c'est marqué « doléré » qui veut dire « souffrance, souffert, sa douleur ». Ça ne me suffisait pas. Pour moi, c'est un processus de détachement et de transformation, et je rajoute, même si l'amour n'est pas présent. Je reçois une dame un jour qui me raconte, son mari venait voir, son père était décédé. Et ce père-là avait été violent avec elle, pas à peu près. Viol, violence, etc. Elle a pris beaucoup de recul par rapport à lui. Et elle me dit, 80, je me souviens, c'était le chiffre qu'elle m'avait donné, 80% de mon énergie allait à le haïr avec tout ce qu'il avait fait. Puis là, elle me regarde et elle me dit, Yvan, qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là? C'est pour ça que l'importance, c'est l'importance du lien. Puis le lien, il n'est pas toujours joujou, puis il n'est pas toujours amour. Okay? Alors, ce n'est pas parce qu'on haïssait quelqu'un ou ce n'est pas parce que quelqu'un nous avait fait du tort qu'on était encore blessé qu'il n'y a pas de deuil. Il y a bien d'autres deuils aussi, mais celui-là est aussi important. C'est le lien et le sens que je donnais au lien qui implique le détachement. Faites attention à une chose aussi. Hein. Il se charrie toutes sortes d'images à un moment donné. Plus le lien était fort, plus la personne va souffrir. C'est complètement faux. Ça arrive. Ça arrive. Mais il y a d'autres personnes qui, à cause du lien qu'il y avait, puis à cause de tout ce qui a été vécu, vont faire en sorte qu'en quelque part, ils vont être capables de vivre avec ça. Le voyage d'une vie, le film Le voyage d'une vie, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, vous pouvez le trouver sur YouTube. Okay? C'est une famille qui est partie, eux autres, les parents travaillaient dans le domaine de la publicité, bien en avait marre, c'est dur dans ces milieux-là. Et ils ont dit, on loue la maison,
on fout le camp avec les enfants, on va faire le tour du monde un an. Et ils sont partis. Et ils ont tout filmé en disant, quand on va revenir, on va monter le film, puis on va le vendre. Ils sont venus, c'était un film magnifique. Ils sont revenus, et 4 mois après, je pense, le père s'est suicidé. Et elle a fait, elle a fait le film, mais avec comme toile de fond, le voyage et le suicide. Il y a des images magnifiques, il y a des remarques magnifiques. Et c'est elle, entre autres, qui dit à un moment donné, une des difficultés que j'avais, c'est d'être à, de bien répondre à la perception que les gens et les croyances que les gens avaient d'une situation comme ça. Puis c'est là qu'elle a dit, moi là, oui, c'est difficile, le suicide, mais tout ce que j'ai vécu avec mon conjoint avant rend ça moins difficile. On le met comme ça. Mais elle dit, les gens autour de moi, ils s'attendaient que je m'effondre. C'était dur, tu vois. Elle m'a dit, je ne me suis pas effondré. Okay? Alors, faites attention à ce mythe-là. Avec les années, le deuil, pour moi, ce n'est pas des étapes. Les étapes, moi, je compare ça à un escalier. Passer à la deuxième, il faut que tu passes par la première. Et ainsi de suite. J'aime beaucoup mieux l'image des montagnes russes. OK? Des fois, ça va. Des fois, ça ne va pas. Des fois, ça va. Puis, de là, oui, tranquillement, ça peut passer à quelque chose d'un peu plus, il faut que je sois au centre, un peu plus léger. Okay? Mais pour moi, parce que j'ai vu des gens dire, ah, ma première étape est faite, ma deuxième étape, ma troisième étape n'est pas faite. Puis là, elle était coincée là-dedans. Un peu plus de souplesse. Il y a un mot aussi. Hein? Est-ce qu'on guérit d'un deuil? Mais non, on n'est pas malade. Et je le nomme comme ça parce que le nombre de personnes que je reçois en entrevue ont un diagnostic de dépression. Okay? Quand c'est beaucoup plus un processus de transformation. Avec des bouts pas drôles, là. Mais en quelque part. Et juste des fois de dire ça à personne, t'es pas malade, t'es en deuil. Hein? Le diagnostic dépression situationnelle avec, puis il y a quelque chose au bout là, c'est classique dans les diagnostics que les gens ont quand ils nous arrivent. C'est pas une maladie. Oui, il y a des gens qui peuvent développer des problèmes de santé mentale importants. Je vous en parlerai tantôt. Et c'est important dans ce contexte-là de ne pas confondre la détresse et la souffrance. Okay? Si on a le temps, je vous donnerai quelques pistes par rapport à ça. Là. Soit dit en passant, on n'aura probablement pas le temps. Mais ce que je vais vous envoyer, il va y avoir ces éléments-là dedans. L'errance. Je vais déposer mon micro et mes feuilles parce que je ne pourrais pas vous faire. OK, puis je peux. Ah oui, ce n'est pas juste la salle, il y a eux autres aussi. Vous avez sans doute vu, c'est moins populaire maintenant. Le sablier. Pas le sablier qui fait comme ça. Okay. C'est un cadre avec deux vitres transparentes, du sable, de l'eau puis de l'air dedans, puis c'est monté sur un support. Okay. Pour moi, tout le processus est là-dedans. Vous avez le paysage, habituellement que les gens trouvent assez joli. Il arrive une bascule de l'image. Le sable s'en va en haut, puis qu'est-ce qu'il fait? Tranquillement, il redescend. Okay? Et en bas, il refait un autre paysage, n'oubliez pas, avec les mêmes grains de sable que dans l'autre. Mon paysage, ma vie, j'ai mes repères. Okay? Et là, un changement se produit. Je dis un changement parce que le processus n'est pas juste au niveau de la mort. Tout changement significatif, les gens vivent ce processus-là. Donc,
Mon premier réflexe, c'est quoi? Il ne faut pas que ça bouge. On est coriace. Hein? Et là, on s'aperçoit que ça bouge quand même. Le sable, il descend. Et il y a un moment, puis le sable, vous aurez beau faire n'importe quoi, vous n'avez pas de pouvoir sur chaque grain de sable où il va arriver. Et c'est une période, c'est cette période-là, c'est-à-dire le passage d'une image à une autre, d'une réalité à une autre. Okay? Ce passage-là, c'est moi ça que j'appelle l'errance. Okay? Et c'est une période où les gens vont dire à un moment donné, j'ai plus de repères. Okay? Ou les repères que j'avais, je les ai perdus ou ça ne tient plus. Mais non. Parce que les repères qui étaient avant sont tous en train de se déformer, défaire. Le maudit problème, c'est que les prochains repères ne sont pas encore clairs. Parce que le sable ne va pas continuer à descendre. Okay? Il est en train de descendre. Il n'est pas installé. Je n'ai plus de repères en haut. Je n'ai plus de repères en bas. Je suis entre les deux. Et tout ce que je... Non, c'est pas vrai. C'est pas tout ce que je peux faire. Vous allez voir qu'il y a des pistes pendant cette période-là. C'est pas une piste, c'est pas une période d'action. Okay? C'est pour ça que les gens qui sont très dans l'action, il y a trop d'uses pour eux. Okay? C'est une période beaucoup plus de qui je suis, de questionnement intérieur. Il y a beaucoup de monde, moi, il y a plusieurs personnes, je leur ai recommandé, savez-vous quoi, d'aller passer un bout de temps à Saint-Benoît-du-Lac. En dehors, pas de téléphone, pas de, là, si tu as le goût d'aller écouter du grégorien, tu y vas, mais juste te poser pour prendre le temps de voir qui tu es. Okay? Alors, je trouve que c'est une image, quand je la présente aux gens, là, là, ça clique tout de suite. Habituellement, ces images-là, on les retient plus des fois que des lectures ou des choses comme ça. C'est fixe, puis tout est dedans. Alors, l'errance... C'est vraiment une période de remise en question. Okay? La peur de mourir. Le sens de la vie. Parce que toute la base que j'avais définie, okay, comme étant ma base, mes valeurs, mes croyances, il y a plein de choses qui sont remises en question. Le problème, ce n'est pas de les remettre en question. Le problème, c'est que je n'ai pas de réponse pour un mot du bout de temps. Okay? Et d'accepter pendant ce temps-là que je n'aurai pas de réponse. J'ai 3000 questions, une réponse une fois de temps en temps. Parce que le sable, là, il faut qu'il se place en bas. Et quand je vous disais tantôt, c'est avec les mêmes grains de sable que l'autre. Ce que ça veut dire pour moi, c'est « je demeure qui je suis ». C'est juste une reconfiguration, une redéfinition. Et souvent, dans ces périodes-là, on va remettre au début tout en question, puis finalement, au bout de la ligne, il y a deux, trois affaires fondamentales qui vont changer. Mais on reste ce qu'on est. Okay? J'ai assez hâte de revenir comme j'étais avant. Tu ne reviendras pas comme tu étais avant. Okay? C'est fini. Tu sais, quand je vous dis, il y a des deuils à faire, des deuils de ce que j'étais, c'est pas évident non plus. On le voit beaucoup, entre autres, dans les personnes qui ont des handicaps physiques après un accident. Je travaille entre autres avec la SAAQ, et il y a des gens qui viennent me voir avec des handicaps importants à partir d'eux. Et très souvent, c'est d'apprendre à vivre avec. Et ça, facile à dire, là, mais c'est pas évident à faire. Okay? Parce que ça veut dire qu'il faut que j'accepte au point de départ. La notion d'acceptation, je viens d'avoir un flash parce que je reçois des gens qui me disent, après quelque temps, puis qui ont l'impression de tourner en rond, « J'accepte pas que mon enfant est mort, soit mort, d'un cancer ou même d'un assassinat. » Puis là, ils se sentent bloqués. Mais je dis, « Tu n'as pas à accepter la mort de ton enfant. Tu as à trouver une façon de vivre avec ce fait-là. » Ok? Alors, les gens qui se définissent comme « il faut que j'accepte ça pour évoluer », quand juste de leur nommer ça, ça assouplit déjà passablement de choses. Okay. Sens de ma vie, le sens du travail, le nombre de personnes qui sont allées travailler ailleurs après ça, qui ont changé, c'est pas évident, là. Okay.
question sur l'union avec la personne que j'aime. Il y a des gens qui ne savent pas. Le camp, il y en avait combien, un gros pourcentage après le décès d'un enfant qui séparait. J'ai pointé quelqu'un parce que j'ai. Bon, il y a Joanne dans ce qu'on a pu faire au début, mais il y a quelque chose d'important parce que j'ai travaillé en soins palliatifs, bénévole à Notre-Dame, puis il y avait des enfants qui tournaient autour, puis finalement, j'ai décidé d'aller faire un tour à Lucan. J'ai été 30 ans comme bénévole là-bas. On a mis sur pied un groupe qui accompagnait des enfants en phase terminale. Et j'ai. Lève-toi, les gens de voix. Qui était responsable du service aux familles à Lucan. Puis, moi, c'est elle que j'étais voir. Puis, elle m'a dit une chose en commençant. Elle a dit oui, on peut faire des affaires ensemble, mais tu t'en vas sur le plancher, à l'hôpital, avec les enfants pendant 6 mois. Tu viens de ça? OK. Ouais, ouais. Voilà. C'est après ça que. Question de relation. Les gens me disent, c'est bizarre, il y a du monde qui était proche, puis ils ne sont plus là. Il y a du monde que je ne voyais pas, et tout d'un coup, qui apparaissent dans le décor. La configuration, il est grain de sable, la configuration change. Puis c'est des fois déroutant. L'errance, ça ressemble à ça. Okay? C'est long. C'est pas reconnu. Essayez de convaincre une compagnie d'assurance de vous couvrir pendant une période d'errance. Ça ne marche pas. Okay? C'est pas reconnu. Et pendant la période d'errance, je ne suis plus comme j'étais au début. Au début, je suis effondré, tout ça. Il y a même des gens, après un certain temps, ils retournent travailler, ils sourient, ils font à manger. Mais en dedans, c'est le bordel. Alors, c'est pas perçu, ça. OK? Hey, ça fait 4 mois. Elle devrait s'en sortir, là. On entend de toutes les sortes à ce niveau-là. OK? Alors, l'errance, c'est un travail intérieur, même si, apparemment, ça peut donner l'impression aux gens autour que ça se passe pas si mal. Quand on est percuté, on est toujours percuté dans 4 axes. Okay? Le corps physique. Le corps physique et aussi le corps action. Ce que physiquement je vis, mais aussi ce que je fais. OK? Juste un exemple qui se passe actuellement avec une personne. Je travaille avec une personne qui a vécu un choc post-traumatique épouvantable. Et on a fait un bon boulot à ce niveau-là. Mais là, il y a des complications avec l'employeur qui se sont créées. C'est une force de la nature, ce gars-là. Okay? Il jouait au rugby quand il était adolescent. Il a travaillé sur le pont Champlain. À un moment donné, la plateforme a lâché. Il est tombé dans l'eau en plein hiver. Il est sorti de là, il s'est changé et il est retourné travailler. Ça vous donne une idée, là. Okay. Mais à partir du moment où il y a eu cet événement-là, il y a plein de maladies qui sont développées, dont diabète. Il n'avait jamais fait de diabète avant. Et là, il me dit, « Oh, ça fait un mois et demi. » Avant, les 3 dernières fois que je suis venu te voir, avant d'entrer à ton bureau, je prenais ma... Je ne sais pas, il y a un niveau, là. Il était très élevé. Il dit, les 3 fois en sortant, je l'ai repris, ça avait chuté. Le corps, c'est un morceau important. Les gens solides, les gens sensibles, les gens qui ont une maudite bonne capacité là, d'énergie et tout ça, habituellement, là, le signal, ils vont l'avoir par le corps. Okay? Le reste, ça tient solide, mais le corps, il ne pardonne pas à ce niveau-là. Le corps. Un monsieur avec qui sa femme est morte assez rapidement. Et lui, c'est un TDAH. Le gars, il faut qu'il bouge. Okay? Et lui a construit dans les semaines, un peu plus tard,
qui ont suivi une cabane de toutes pièces. Bon, c'est un gars qui est même assez fort, mais quand même. Puis c'était pas quelque chose où il passait outre. OK? Il était souffrant pendant ce temps-là, puis il en parlait, puis il échangeait. Il avait besoin de ça aussi pour se construire. Et quand il a fini sa cabane, là, il m'a annoncé récemment qu'il était en train de se construire une plus grande maison. C'est correct, mais le corps, puis il y a des gens dans la nature de ce qu'ils sont, ont toujours eu ce volet-là très présent. On parle des gars puis des filles par rapport aux quatre axes. L'autre axe, les émotions. Pas besoin de se faire un dessin là-dessus. Ce que je constate, par contre, c'est que ce n'est pas évident d'identifier chez certains. Bon, je vais être gentil. Les gens de nature masculine, on ne dira pas les hommes, mais une personne dont le fils s'est fait écraser par un autobus scolaire. Et il me racontait ça un peu comme, je dirais pas un match de hockey, mais comme un article de journal que tu lis. La seule chose, la seule chose dans le récit, il racontait comme ça, c'était pas connecté. Et à un moment donné, le pied a arrêté de bouger dans le récit. Okay? Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, comment es-tu? Et là, il s'est effondré. De trouver la porte d'entrée d'une personne, de trouver sa propre porte d'entrée, ce n'est pas toujours évident. J'ai un ado que j'ai reçu. Tu sais, l'âge où ils sont longs, mais encore pas tout à fait ajustés. Là, tu sais. Les bras sont trop longs. Son père était mort d'un accident d'auto. Puis là, j'ai quand même des fauteuils confortables à la maison. Là, il s'écrase là-dedans. Il me regarde. Il dit, « J'ai écrit un poème sur papa. Veux-tu l'entendre? » C'est pas le temps de dire non. Il sort une feuille, 8,5 par 11, pliée, bien des fois, là, qui donne un petit bidule grand de même. Il l'ouvre et il me le lit. Cette feuille-là, ou ce poème-là, est devenu notre porte d'entrée à toutes les rencontres. Une journée, je pense que je vais rajouter un paragraphe. Et on partait. Qu'est-ce que tu mettrais dans le paragraphe? Et là, c'était une porte qu'on explorait. La fois d'après, c'était, je pense que je vais écrire un livre. OK? On prenait, c'était la porte d'entrée. Une fois qu'on a trouvé ça, c'est fantastique. Vous savez quoi? Finalement, au bout de la ligne, il n'y a rien changé. Okay? Puis c'était spécial d'avoir la feuille. J'ai dit, laisse-la-moi. Dernière rencontre. L'avant-dernière rencontre. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai photographié comme il faut. Puis on l'a fait laminer. Et c'était le cadeau que j'ai donné quand on a terminé. Okay? Alors, rentrer dans l'émotion. Et c'est pas tout. On insiste beaucoup plus, parce qu'avant ça, beaucoup de moins de monde qui... Mais là, c'est important d'exprimer. Oui, mais attends, là. Okay? C'est pas tout. Corps, émotion, spiritualité et intellect. C'est les quatre axes. OK? Oui, c'est important, mais ça ne veut pas nécessairement dire de pleurer. Les hommes, entre autres, ont d'autres façons de le faire. L'important, c'est qu'ils se connectent et qu'ils l'expriment. Okay? Spiritualité. On se comprend, spiritualité, pour moi, c'est donner un sens. Par la religion, si on veut, par les astres, par la nature, par la vie, par les gens, donner un sens. C'est là-dessus qu'on se fait. C'est là-dessus que les gens vont dire, il y a un vide. Rappelez-vous les grains de sable, okay. Ça y va aussi pour les remises en question de ce volet-là. C'est jusqu'à plus tard. Hein? Okay.
Vous vous souvenez de l'autobus qui avait manqué de frein en Charlevoix, il y a déjà plusieurs années. 40-quelques personnes, en fait, sont tous morts dans l'autobus. Okay. Ils ont fait un film, le voyage inachevé. Magnifique film. Okay. Vous avez là-dedans tous les éléments du deuil. Ça vaut vraiment la peine, ça aussi, je pense que vous pouvez le voir sur YouTube. Et une des choses qu'ils ont faites, rappelez-vous le titre, Le voyage inachevé, ils sont partis en autobus scolaire, comme l'accident. Puis le gars, il dit, on l'avait fait vérifier avant. Ils sont retournés là, à l'endroit de l'accident, et ils ont expliqué aux enfants, ils ont fait tout un rituel là, de souvenirs. Et sont allés coucher à Lille, après, à Lille au coude. Le voyage inachevé. Ils ont bouclé quelque chose. Si vous saviez le nombre de personnes après le récit, je te demande toujours, as-tu fait tes adieux? As-tu fini ce que tu avais à finir? Et c'est, je suis toujours étonné de voir comment il y a quelque chose qui n'est pas fini, puis qui traîne, puis qui bloque. Okay? J'ai trop d'exemples. Okay? J'essaie de voir celle que j'ai gardée. Une dame, son mari est décédé d'un cancer. Puis il est venu me voir. On a travaillé fort. Et elle me dit, à un moment donné, je voyais bien que ça n'allait pas. Puis j'ai demandé, ça va? Oui, oui, ça va. Excusez, j'en fais sursauter. Bon. Et ça s'est aggravé. Et je ne sais pas combien de mois après, il est mort de ce cancer-là. Et là, elle dit, pour que le délai soit aussi proche en temps, quand j'y ai demandé et il est décédé, il savait-tu qu'il l'avait? Okay. Est-ce qu'il m'a raconté des blagues? Qu'est-ce qu'elle a fait, vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait après ça, avec cette question-là? Où est-elle allée? Elle est retournée à l'hôpital. Elle a fait sortir son dossier, elle l'a fait analyser pour se rendre compte qu'il y avait eu une erreur dans la lecture. Tu as l'impression que ça se finit là, ça ne se finit pas là. Parce que là, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je poursuis l'hôpital? Okay? Et elle a fait un choix très conscient, très lucide pour son équilibre de ne pas le faire. Elle avait ce qu'il fallait. Quand je parle de finir des choses, c'est pas toujours aussi gros. Okay? Mais j'ai travaillé avec une femme, sa sœur, son beau-frère, puis leurs deux enfants sont décédés d'un accident d'auto. C'est brutal, hein? C'est un suicide, c'est brutal. Tu n'as pas le temps de finir les choses. Okay? Et on a travaillé dans un exercice où on est tourné dans une imagerie, dans la salle des morgues, parce qu'ils ont offert d'aller embrasser les quatre corps, puis elle n'a pas voulu le poser. On l'a refait en visualisation. Elle a pris le temps. 1, 2, 3, 4. C'est des choses où tu as l'impression que tu es magicien. Je dis ça parce que souvent, quand les gens vont au bout de ces choses-là, okay, prennent le temps de faire leur adieu, de finir des choses inachevées, okay, il y a une transformation très rapide. Tu te dis, bon Dieu, c'est pas un miracle, là, mais c'est étonnant de voir comment ça peut ouvrir rapidement sur des choses. La croyance et la réalité. Ça, c'est intéressant. Je suis intervenu auprès d'une famille. En fait, c'est le père qui m'a fait signe le surlendemain du suicide de sa femme dans le cabanon.
dans une petite municipalité. Il y a deux enfants, 3 ans, puis 5 ans, 6 ans, je pense, autour de ces âges-là. Puis quand il est venu me voir, il m'a raconté qu'il avait dit à ses enfants que maman n'était pas bien dans son cœur, puis qu'elle était morte. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais était bien dans son, avait mal à son cœur, mais son cœur émotif. Puis c'était une petite ville, une petite ville. Quand c'est arrivé, les pompiers sont allés, la police est allée, les ambulanciers sont allés, ce qui fait qu'une bonne partie de la ville, là, ils l'ont su ce qui se passait. Pas les enfants. J'ai expliqué ça en disant, attention, peut-être ta plus vieille aussi va peut-être l'apprendre quand on va retourner à l'école par un enfant, froidement, comme ça. Alors, il a compris vite. Il est retourné à la maison et il dit, écoute, je vais leur dire aux enfants. J'aimerais ça que tu viennes dans l'après-midi, après l'avoir fait, on fera le tour avec eux. OK. Quand je suis allé, il avait effectivement replacé les choses clairement. Et là, c'était la discussion entre les deux enfants, le père et moi. Et à un moment donné, on a parlé d'un retour à la garderie puis à l'école. Et je leur ai demandé, je dis, qu'est-ce que vous allez dire à vos amis? Puis la seule, là, 5 ans, elle dit, moi, là, elle dit, quand je dis pas les vraies choses, j'ai mal au cœur, j'ai pas le goût de vomir à l'école, je vais dire ce qui s'est passé. Pouf! Les enfants sont extraordinaires. J'ai des téléphones des fois, du genre, ma femme est morte, j'ai une petite enfant de 3 ans, 4 ans, est-ce que je l'amène au salon funéraire? Et moi, je leur réponds toujours la même chose. Monsieur, madame, j'en ai pas la moindre idée. Puis là, un silence, pas tout à fait ce que les gens souhaitent. Demandez-lui. Elle va vous le dire, ça va y aller. Les enfants sont capables d'entendre ces choses-là. Okay? « Ouais, mais ils n'ont jamais vu ça. Il y a des livres, il y a des choses, préparez-les. » Mais l'enfant, il y a des enfants qui vont dire oui, mais il y a des enfants qui vont dire non. Mais c'est aussi les recentrer sur eux-mêmes. Comme soi-même, on a à se recentrer. C'est juste qu'on les supporte. J'ai travaillé avec une famille. Le voyage de... Non, c'était pas eux autres. Les Dallagnello. Je les nomme parce qu'ils ont fait un film. Enfin, pas un film, mais ils sont passés à Radio-Canada à une émission. Le père, les trois filles, la mère, s'en allaient un an en voilier. C'était un avant-veille du départ. Ils ont pris l'auto, ils sont allés faire un souper dans la famille. Et en revenant sur l'autoroute, sur la transcanadienne, il y a un gars qui a fait un virage. Il a viré en U, là, dans le sens contraire du trafic, qui était sous. Il a frappé l'auto, puis le père est mort. J'ai été proche des enfants, j'ai été proche de la famille pendant un bon 2 ans. Et à un moment donné, les enfants, des premières fois que je les vois, ils me disent, on veut voir le monsieur qui a tué notre papa. La mère était là, on se regarde tous les deux, là, bon, OK. On a parlé, j'ai eu des doutes, OK. Il y a des thérapeutes qui m'ont dit, fais pas ça, tu vas être traumatisé, là, on va pas vers ça. J'étais hésitant. Finalement, c'est les enfants qui m'ont donné la réponse. Je me suis assis avec les enfants, j'ai dit, écoutez, les enfants, il y a du monde qui me dit ça, il y a du monde. Puis là, Virginie qui se lève, on est assis à terre, puis elle se met deux coudes sur mes genoux. Elle dit, Gilles, on veut juste voir le monsieur qui a tué notre papa. Go! OK. On est allé. Ils ont préparé. Okay. Et la plus jeune, était très jeune, elle avait 3-4 ans. Puis elle a dit, je vais y aller, mais vous êtes pas loin, hein, s'il vous plaît. Okay. On avait fait des répétitions de comment ça se passerait. Puis vous savez, quand c'est un peu comme ici, quand tu rentres à la cour, tu as un bord, les blancs, puis l'autre bord, les noirs. Et quand on est rentré, d'abord, il y avait un adulte avec un enfant. Et un des adultes n'était pas la mère. La mère était concentrée sur ce qui se passe en avant. Okay? La plus jeune, Rosalie, qui avait si peur, elle lâche la main. Elle traverse la salle, elle s'en va en avant. Le gars était juste sur le coin, mais je lui ai dit, le monsieur, c'est lui-là.
elle s'assoit, comme si le monsieur est là, là, elle s'assoit là. OK? Et là, elle se tourne de bord, elle a dû scanner le gars pendant 5 minutes. OK? C'était vraiment, je ne sais pas comment lui était, mais il l'a vu faire. Et en sortant, les 3 enfants nous disent, « Gilles, le monsieur, il n'a pas l'air si mauvais. » OK? Et là, ils ont commencé à nous raconter les images de monstres qui s'étaient faits de cet homme-là, avec lequel il serait resté longtemps. Oui, possiblement. OK? Et ça a juste comme ramené les choses. Donc, spiritualité, le cognitif, comprendre, savoir. C'est les 4 axes, corps, émotion, spiritualité, intellect. Okay? Et dans ce qu'on est, habituellement, quand ça arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se retranche dans l'axe dans lequel on est le plus confortable, qui a toujours fait partie de notre vie. Ah, vous avez déjà vu une équipe de travail à un moment donné où on leur annonce que la place va fermer. OK? T'en as une qui se met à broyer. T'en as un autre qui dit « Pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? » T'en as un autre qui dit « Expliquez-moi, je veux comprendre. » C'est le réflexe qu'on a de ça. Puis c'est correct. Le danger, c'est de ne pas se cloisonner dans cet axe-là. Je reçois un couple dont le fils est mort dans un accident de travail. Et le père, il était bien inquiet de sa femme parce qu'elle pleurait beaucoup. OK? J'ai dit, toi, comment tu t'en sors? Ah, il dit, moi, j'ai tout lu. Tous les livres sur le deuil. J'ai tout compris. Il avait fait des petites cases, là, tu sais. J'ai compatissé avec la madame et j'ai dit, toi, tu m'inquiètes, par exemple. Okay? C'est le danger. Et c'est là l'idée d'explorer chacun de ces axes-là quand on est là-dedans. Hommes et femmes, bon, je caricature. L'homme, les 2 axes principaux, c'est comprendre et agir. Okay? Vous comprenez, là, il y a des nuances. Tandis que pour la femme, c'est les 2 autres axes. Il y a des majeurs autour de ça. OK? Si vous voulez lire un livre qui est intéressant suite à un décès d'enfant, pour vous ou pour des gens que vous pouvez connaître, La cérémonie des anges, qui est écrit par Marie Laberge, où ce livre-là, d'un côté c'est la femme qui parle, de l'autre côté c'est l'homme qui parle, comment dire, et ainsi tout le long comme ça, c'est très, très intéressant. Oh mon Dieu! Quoi faire en errance? C'est une période d'exploration, de recherche, de réflexion. Moi, les gens qui sont là-dedans, un des outils que je leur propose, fais-moi un bilan de vie par écrit. Et ça, pour moi, c'est, tu parles là, du plus lointain que tu te souviens, puis t'écris les émotions, les événements, les personnes, tout ça. Inévitablement, on est en grande souffrance et inévitablement, on est transparent, on peut être atteint facilement. Il y a des connexions qui se font qui ne sont jamais faites, juste en écrivant. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé, il riait, puis il m'a nommé quelque chose qu'il venait de découvrir. T'sais. Qui était gros comme ça, mais il l'avait juste comme à un moment où on n'est pas, entre guillemets, en action à l'extérieur, on est en action à l'intérieur. Aux essentiels, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Comment un événement aujourd'hui difficile vient nous brancher de quelque chose dans notre histoire de vie? Des fois, on le voit bien, mais des fois, on ne le voit pas. Okay? Et la personne va dire, je travaille sur mon œil. Je reçois un monsieur qui était mis à pied. Impuissance, colère, c'est les principales émotions qui ressortent. Peine, colère, peine, colère et impuissance, voilà. On travaille autour de ça. On travaille.
avance pas. Enfin, il est pris dans, je vois bien qu'il est pris dans quelque chose, là. Okay, mais j'ai juste demandé, y a-t-il des moments dans ta vie où tu t'es déjà senti comme aujourd'hui? Ça a pris, bon, c'est pas aussi magique, là, tout le temps, mais ça a pris 10 minutes, puis là, il m'a parlé, quand il était jeune, le père battait les enfants. Mais lui, il n'était pas battu. Je dis, pourquoi tu n'étais pas battu? Il dit, je négociais avec lui. Ça marchait. OK? À sa grande surprise. Donc, ce qu'on a pu percevoir, c'est que comme enfant, je suis menacé, je négocie et ça marche. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, dans cet exemple-là? À chaque fois que lui était menacé par une situation abusive, pas nécessairement une claque sur la gueule, ça peut dire, on voit le harcèlement dans le travail, là. OK? Automatiquement, le mécanisme de négociation partait, puis ça marchait. Jusqu'à cette dernière situation où il a essayé, ça ne marchait pas. Les sentiments, le lien entre les deux n'était pas l'événement, était l'état émotif que la personne vivait qui le rebranchait là-dedans. Bon, c'est clair, il expliquait de même, là. Mais quand on est dedans, c'est une autre histoire. Okay? Alors, quand je parlais de l'errance, c'est d'explorer c'est mon histoire. Puis des fois, ça relève comme un bouchon sur l'eau. Là. Okay? Alors, moi, j'appelle ça nos vieux modèles, on a tout, hein, nos vieux modèles de survie, qui nous ont un jour bien servi. Puis là, dans la tête, c'est comme, ben, ça me sert bien là. À chaque fois que ça va revenir, je vais me... Ça va tant que. Okay? Et c'est des événements qu'on va... Moi, je dis, il y a des événements comme ça qu'on met dans la poubelle. Symboliquement. Okay? On met ça dans la poubelle, puis on ferme le couvert, puis on continue avec notre vie. Ça va bien. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose que je veux remettre dans la poubelle. J'ouvre la poubelle, ça pue. Puis le morceau qui pue, c'est pas celui que je viens de mettre dedans. C'est quelque chose qui, à ce moment-là... J'aime bien l'image de la boîte noire dans les avions. Là, c'est dans la boîte noire et tout d'un coup, ça peut exploser. Ça, c'est souvent présent au niveau des... Il y a... Je vais finir par... Il y a des gens qui me disent des fois, « Oui, mais je ne sais pas ce qui est arrivé puis je ne peux pas faire mon deuil. Il manque des informations, je tourne en rond. » Je voulais vous, on va finir avec ça, vous raconter, bon, je travaille dans le deuil, mais pas pour rien. Hein. J'avais un frère qui est mort à 6 mois d'une hydrocéphalie. L'eau monte, mais à bloc, ne redescend pas, puis la tête aussi. Puis il est mort à ça 6 mois. J'avais à peu près 3 ans, un petit peu plus que 3 ans. Et tout au long de ma vie, je ne savais pas pourquoi j'avais l'impression de porter la mort de mon frère. Si je le sais, c'est parce que ma mère m'en a parlé, mais je n'ai aucun souvenir conscient quoi, à ce niveau-là. Quand j'ai fait la formation, la première formation que j'ai faite avec Jean-Mont Bourquette, il nous fait travailler. Peux-tu travailler à la mort de mon frère? Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait, comment ça se fait. Que... J'ai travaillé. Je n'avais pas plus d'éléments que ça. Je me suis créé une trame. J'avais 3 ans, 3 ans et demi, toute puissance chez l'enfant. Okay? J'avais 2 sœurs avant moi. J'étais le gars. Okay? Et ce petit frère-là, arrive, menace ma place, okay? Fantaisie de toute puissance, tu vas mourir. Et il meurt. Okay? Donc, c'est moi qui l'ai tué. Je pars avec ça. Okay? J'ai travaillé fort. Je savais que ça n'avait pas d'allure. Mais en quelque part, dans la peau d'un tipit, okay? Est-ce que c'est vraiment ça qui est arrivé? Genre. Aucune idée. Et pour moi, c'est très secondaire.
même si on n'a pas toutes les informations, je me refuse de croire qu'une personne qui n'a pas toutes les informations a moins de chances de s'en sortir que quelqu'un qui les a toutes. Okay? Ça m'a permis de sortir de là. Et il y a plusieurs années, j'étais assis dans mon bureau, j'étais tout seul, j'attendais quelqu'un. J'ai dit, des lauriers, ça se peut-tu que si ça, ça ne t'était pas arrivé, tu ne ferais pas le job que tu fais aujourd'hui? Je dis, tiens donc, c'est pourquoi pas. Okay? Alors, pour moi, c'est important parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas ce qu'il faut comme information. Pas tout le monde. Il y a des gens qui vont coincer là-dedans, mais il y en a d'autres qui ne construisent pas. J'ai un homme, je finis avec ça. Toujours dans la même dynamique. Il vient me voir, sa femme est morte 3 ans avant. Il ne s'en sort pas. Il se sent très coupable. Coupable de quoi? Il n'y arrivait pas. Mais il vivait beaucoup, beaucoup d'abandon. Bon, je peux comprendre intellectuellement que tu vives ça. Bon, d'autres abandons dans ta vie. Et là, il me nomme 2 choses. Lui, avec sa sœur, ont été adoptés dans un petit village au Saguenay. Le père et la mère, mais surtout le père adoptif, battaient les enfants. Il ne leur a jamais dit qu'il avait été adopté, parce qu'il avait été adopté très jeune. C'est l'infirmière du village qui leur a dit à un moment donné. 2e abandon. Okay? Le fait des parents naturels qui ne sont pas gardés. 3e abandon, la violence. Okay? On a travaillé sur la violence, il y avait beaucoup d'éléments. On a travaillé sur la mort. Parce qu'il comprenait là, déjà, oups, il y a des connexions qui se font. Déjà, à ce moment-là, il y a comme, un peu de lumière. Là où il était coincé, c'était sur l'adoption. Puis ses parents, naturels. Puis au Saguenay, il y a une grosse maison maintenant, je pense, un gros édifice qui maintenant est un centre administratif qui a déjà été un orphelinat. Et il me dit, à un moment donné, il dit, j'ai dû passer par là. Et c'est là que j'ai dit, j'ai parlé de mon frère, j'ai parlé de la trame. Crée-toi une histoire. C'est pas juste une histoire, je prends la décision, puis c'est fini, puis on passe à d'autres choses, là. OK? C'est des rituels. Là. On n'aurait pas le temps, mais il serait intéressant de parler des rituels. OK? Et finalement, il a compris le principe. Il est revenu une fois, puis après ça, il est revenu. OK? Il a fait le voyage là-bas. Il est allé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Comprenez-vous, pour moi, l'importance de tout est en nous. Tout est en nous. Même si on n'a pas toujours les informations, on peut le gérer, on peut le créer. Et encore là, c'est pas juste, voilà l'histoire. Après l'histoire de mon frère, j'ai invité des amis, ma mère, mon père était mort, puis ma famille, à un enterrement. Je suis allé enterrer François au salon, au cimetière, et j'ai eu l'impression que je l'enterrais vraiment. J'ai pas eu d'autres frères après ça. J'ai eu d'autres sœurs. J'avais comme symbole le certificat de naissance de François. Il a existé. Okay? Un ballon. J'aurais aimé ça avoir un frère pour jouer avec. Okay? Et une rose avec la beauté, mais en même temps les épines. Ça a été très libérateur. Okay? Mais c'est passé une chose un peu déplaisante après. C'est 3 semaines plus tard. C'est comme si la poussière est retombée, là, tu sais. Peu dans l'euphorie, ce qui est un peu normal. Assez que je me suis dit, écoute, j'ai-tu fait ça pour rien? OK? Puis là, la manière dont je l'ai compris, c'est que quand tu ouvres une porte, que tu trouvais importante d'ouvrir. Okay? Tu l'ouvres. Faites-vous-en pas en arrière, il y en a 10 autres. Ainsi va la vie. Okay? D'ouvrir quelque chose, de découvrir quelque chose, me donne accès à d'autres choses. Bon, c'est bien d'avoir un break à un moment donné, puis de ne pas trop en prendre de front, là. Mais c'est ça. Hein? Bon, on pourrait continuer, mais évidemment. Thank you.
juste avant d'embarquer là, il y a un petit document aussi que vous pourrez avoir qui donne des pistes. Vous l'aurez dans le document. On s'installe ensemble. D'abord, merci. Merci. Tu as fait tout un tour d'horizon, hein? Ben, c'est ça, hein? Quand on a les cheveux pas teints, mais gris, il y en a du stock en dedans de nous, hein? Oui. C'est, je dis toujours, les gens qui nous confient leur histoire, leur récit, ça tombe pas à côté de nous, hein? Ça tombe en nous. Et si les gens qui nous consultent font beaucoup de chemin, on le souhaite pour eux, ils nous en font faire aussi. Parce qu'ils touchent à nos propres histoires. Et puis nous aussi, on a envie d'être transformés à travers leur récit, tout le temps. Alors c'est pour ça que le métier est beau. Hein? Oui, puis en quelque part, c'est d'abord et avant tout, tu me fais penser à ça, quand on, comme thérapeute, comme aidant, comme père, comme, ces rencontres-là, c'est d'abord une rencontre entre deux êtres humains, une rencontre entre deux personnes. Même si je suis là comme thérapeute, il faut que je me laisse atteindre. Oui, mais oui. Sinon, ça devient... Oui, c'est très important d'être touché par l'histoire de l'autre. Hein? Et ça finit par nous faire faire beaucoup de pas à l'intérieur. Oui. Vas-y, il te vient des idées. J'ai travaillé avec un Rwandais. Il y a des années. Avec? Un Rwandais. Ah oui. Et il était dans un groupe. Il vient me voir, il dit, je peux-tu te voir tout seul? Oui. Et là, pendant 2 heures de temps, il m'a raconté, pendant le massacre, là-bas, il était dans un édifice avec sa sœur, puis les enfants de sa sœur. Lui, c'est un religieux. Ça faisait 2 ans qu'il était en Belgique, il n'avait jamais pleuré, il se demandait ce qui se passait. Et il racontait qu'il y a un de ses amis qui était dans l'armée, qui est arrivé très vite en disant « Foutez le camp d'ici, on a eu ordre d'assassiner tout le monde dans le bloc. » Ils ont juste eu le temps d'aller se cacher dans un égout à ciel ouvert. Il est resté là 2 jours pendant le massacre. Et après ça, il a pris un autobus pour fuir au Zaïre. C'était tout petit. Et à 3 reprises, l'autobus est arrêté par l'armée. Il faisait sortir les Tutsis, puis il est massacré dans une fosse commune. Et à 3 reprises, ils ne l'ont pas, lui, massacré. Il s'est rendu au Zaïre. Bon, tout ça, là, dans un récit de 2 heures. Puis à la fin, j'ai 2 bras un peu... comment je peux t'aider? Et là, il me regarde, puis il dit, « Fais-moi mourir. » Mais encore, il me dit, à chaque fois, j'étais sûr que je mourrais. Ils ont volé ma mort. Okay? Et quelques mois avant, je pense, Jean nous avait montré un exercice de mort symbolique. Je l'ai rentré là-dedans. Et pour la première fois depuis 2 ans et quelques, il s'est mis à pleurer. Et j'ai pleuré. Et je reviens à ce que tu dis, comment on peut être touché. Bon, c'est correct, là, tu sais. Lui part. Puis Delorier continue à pleurer. Ah oui. Là, je me suis dit, il n'y a pas rien que ça dedans. Et c'était venu connecter à des choses par rapport à la mort de mon frère et ma mère. Mm-hmm. Le lendemain, je retourne dans le groupe. Puis, quand je fais des groupes, le matin, la première chose que je fais, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses depuis hier soir et vous avez le goût de raconter? Silence. Je dis, moi, j'en ai une. Okay. Je raconte ça. Je repars à pleurer. OK? Pas 2 heures, là. Et quand ça a été fini, les gens me disent, ben, ça nous rassure de te voir de même. OK? C'est bon. Okay. Mmh. Mais tu sais, se laisser. Mais oui, toucher. Attends. Alors, on en profite pour inviter les personnes qui se sont déplacées vers nous et qui ont aussi des histoires à l'intérieur d'eux et d'elles. Et puis que peut-être quelques-uns de tes propos ont éveillé un souvenir, un récit, un bout de récit qu'ils aimeraient partager avec nous. On a quelqu'un qui va apporter le micro, Marie-Josée.
C'est sur la première rangée, Marie-Josée. Merci. Bonjour. Oui. 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 M'entendez-vous? Oui. Oui. J'ai l'impression aussi. Moi... des morceaux qui lâchent avec le temps. Vous avez évoqué détresse versus souffrance. Ça m'a sonné quelque chose, mais vous n'avez pas développé deux, trois mots. Détresse, la détresse versus souffrance. Pour moi, c'est quand tu as tout essayé et tu as l'impression de tourner en rond. C'est pas quelque chose. Et on le sent, c'est de la survie. Ah, excusez. OK. C'est vraiment de la survie. OK. Les gens vont me dire, j'ai peur de mourir. J'ai peur de devenir fou. J'ai tout essayé. Ça ne fonctionne pas. Tandis que la souffrance, ça peut être très dur. Mais j'ai l'impression... Imaginez une spirale. OK. Une spirale qui part comme ça, puis qui élargit. Là, okay? Puis il y a un bonhomme qui est dedans. OK. Ça peut être très dur. Mais il va dire, c'est moins pire que le mois dernier. Ou il va dire, je me vois un petit peu avancé, mais il y a des fois où ça redescend. Par opposition à un cercle, où tu tournes en rond, puis ça sort, t'en sors pas. Okay? C'est la détresse, le cercle, oui. Et la spirale, la souffrance. Oui. Et le cercle, si tu n'es pas aidé à un moment donné, le danger, c'est que ça fasse une spirale, mais vers l'intérieur. William Warden a fait une recherche et il y a à peu près entre 15 et 20 % des troubles importants de santé mentale qui sont reliés à des deuils non résolus. C'est beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que ça... Oui, c'est parfait. Dans le document, le deuxième petit document, vous avez des éléments pour vous. Vous l'avez évoqué. Et quand on sent même là, c'est le temps d'aller. C'est pas les proches. Les proches, ça va les faire peur. Ça. Les proches ont plus quoi faire, ou les proches vont être emmerdés, ils vont devenir agressifs. Ton micro. Oh, merde. On entend du merde dans le micro. Oui, d'accord. Oui, je disais que quand on sent comme ça en détresse, c'est important de consulter, OK? Parce que sinon, ça peut devenir un trouble important de santé mentale si ça coince longtemps. Allez-y, soyez, oui, mon Anna. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais revenir sur le sujet de l'errance. OK. L'errance, c'est un mot que je pense que je connais. Je suis plus anglophone que francophone. Mais avez-vous un équivalent? En anglais? En anglais? Neutral zone. Neutral zone. Wandering, neutral wandering. Zone. OK. Là, c'est ça que j'avais compris, mais je voulais en être sûre parce que c'était super intéressant. Fait que c'est un peu comme ça que je me sens en ce moment. Je suis en pleine errance. Alors... C'est pas de dépression, ça. Voilà, merci. Oui, là-bas, on a Marie-Josée. D'abord, merci. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Vous avez bien expliqué le deuil, l'errance. Je vous ai moins entendu, en fait, pour moi, sur le lâcher-prise. Oui, j'aurais aimé ça que vous fassiez la boucle avec le lâcher-prise. Oui. C'est pas parce que je m'en souviens pas, c'est parce que je veux pas m'étendre. C'est mon... on va aller ici. Le lâcher-prise fait peur. Dans un premier temps, je dirais ça. Okay? Parce que les gens vont souvent me dire, si je lâche prise, je vais être capable, si je vais toucher à ça, une émotion, quelque chose, je vais-tu m'effondrer? Je vais être capable de m'en sortir?
Et à partir de là, il y a le hamster qui part. OK? Et qui rend les choses monstrueuses. C'est très rare. Un exemple, avant Noël, souvent les gens disent, quand ils sont à leur premier Noël après le décès, « Je vais m'effondrer, je ne serai pas capable. » 90% des gens, quand ils reviennent, me disent, « Ça n'a pas été drôle, c'était dur, mais pas aussi terrible que je le pensais. Okay? » Lâcher prise, les rituels, c'est un outil extrêmement puissant par rapport au fait de comment? À l'aide de rituels? À l'aide de rituels, oui. OK. Et ça, là, il y en a autant qu'il y a 4 personnes. L'important, c'est de voir. Je vais vous en compter. Ah, je ne peux pas me relever. Hein. Je travaille actuellement avec une ambulancière qui a travaillé 25 ans comme ambulancière. OK. Qui a toujours drivé. Un événement, le dernier, où c'est un enfant qui est décédé, mais c'est surtout la présence des parents qui sont effondrés. Ça a ouvert la poubelle. Okay? Le dernier événement n'était qu'un déclencheur. Il y a eu tellement... Écoute, ils m'ont raconté des affaires. T'sais? Mais là, je me disais, bon, OK, c'est un déclencheur. Donc, peut-être que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Et là, j'y ai demandé... Dans toutes ces interventions-là, y a-t-il des dénominateurs communs? Okay? Il m'en a nommé 2. Okay? Le sang et les cris. Ça, pour lui, ça l'a marqué terriblement et ça refaisait surface. Alors, on a fait, il a fait avec sa femme, un rituel. C'est-à-dire, j'ai dit, peux-tu me trouver des objets qui représente les cris et le sang. Je me souviens de ce qu'il a trouvé pour les cris, mais je ne me souviens pas de l'autre. Le cri, c'est une toile. Ah, c'est un homme qui c'est très, très connu. Oui, voilà. OK? C'est bon. L'autre, je ne sais pas. Et à partir de là, il a fait un rituel où il est allé enterrer les deux objets. C'est des gestes de lâcher prise. J'ai un monsieur, c'est pour ça que je vous dis, il y a autant de, il y a autant de rituels possibles que de personnes. C'est plus facile pour une raison très simple. C'est ben, pas si simple, mais dans le rituel, il y a toujours les 4 axes d'impliquer. Il faut que tu le construises, il faut que tu le bâtisses, il faut que tu le comprennes. Il y a les émotions, le sens que tu donnes aux gestes. Okay? Il y a tout ça, là. Lui, il vivait avec une femme qui avait un fils de 19 ans. Ça fonctionnait très, très bien avec la femme, mais ça ne fonctionnait pas du tout avec le gars. Il y avait quelques bons petits moments, mais c'était des conflits souvent. Et finalement, le jeune homme s'est suicidé. Et à partir de cette journée-là, il n'était plus capable d'être présent seul dans la maison quand sa conjointe n'était pas là. On a travaillé là-dessus. Je soulève la question des rituels. Juste le principe et l'explication. Un peu, okay. Il revient 2 semaines après, il dit, tu peux pas t'imaginer ce que j'ai fait. Et je me suis construit un cadre en bois avec un moustiquaire que j'ai collé dessus. Et pendant une demi-heure de temps dans la maison, je me suis promené avec le moustiquaire. Et dans ma tête, le moustiquaire retenait tous les moments désagréables que j'ai eus avec lui et les bons moments passés à travers. Depuis ce temps-là, il n'y a plus de problème à rester tout seul, fils. Jamais j'aurais pu imaginer une chose comme ça. Alors, trouver des façons, mais se libérer de quelque chose. Quand je vous disais au début, ça arrive souvent qu'on porte, particulièrement avec les enfants, OK? On porte une souffrance qui ne nous appartient pas. Mais c'est comme s'il fallait que pour être fidèle à mon enfant, la peau d'âne pour le restant de ma vie. Okay? Alors, il y a des lâcher-prise où on va
demander à la personne, exemple, la souffrance, qu'elle reconnaît comme en partie sienne, mais aussi en partie la souffrance de son enfant. Et là, on va lui demander de trouver un objet symbolique qui le représente. Okay? Et on va aussi lui demander de trouver un objet symbolique de quoi tu te prives, toi, en portant cette souffrance-là. Elle nomme quelque chose à ce niveau. Il y a toujours quelque chose. Okay? À partir de là, tu fais un exercice en visioconférence, je l'ai fait plusieurs fois, même en visioconférence. Tu places deux chaises devant elle. Sur une, il y a son enfant, et sur l'autre, il y a elle-même. Et là, elle va remettre, en le nommant, en y expliquant ce que ça y fait, va remettre physiquement sur le banc, sur la chaise, en parlant à son enfant de tout ça. Et après ça, elle va parler à elle-même et elle va se permettre de se réapproprier. Vous comprenez? Ce n'est pas magique. C'est de mettre quelque chose en mouvement dans lequel je suis coincé. Et c'est toujours très touchant d'être témoin de ça. Des belles choses. Ça... On a... Absolument. Ah oui. Ah oui, puis il y a... Bon, en faisant toutes les nuances, si on parle d'un rituel formel, oui, il y a un début, une fin. La première chose, il faut sacraliser la place où ça va se passer. Okay? Tu ne rentres pas là avec ta famille ou avec les amis en jasant, en disant, bon, ça se voit pas. Non, non, silence, on rentre. Et là, il peut y avoir des musiques, il peut y avoir des textes, il peut y avoir plein de choses qui se passent là. Okay? On a fait ça avec le centre Cardinal Léger à Montréal, qui est un centre de handicapés très souffrant. Il y a 6-7 ans, le directeur général s'est suicidé dans une chambre pendant une crise que vivait ce centre-là, où dans une chambre, ils avaient filmé la maltraitance à une personne. En tout cas, ça a été majeur, et pendant ce temps-là, lui s'est suicidé. À partir de ce moment-là, tutelle, toute la direction a sauté. Personne n'a parlé de ça. Okay? Et l'équipe de professionnels m'avait demandé de venir travailler avec eux autres. Même pas ça. Hein? Y a-tu moyen qu'on travaille les deuils que les gens vivent quand ils sont déracinés de leur chez eux? Oui, je m'assois avec eux autres. Je n'ai pas dit un mot. Ils commencent à me parler de ça. En me disant, depuis 6 ans, c'est la première fois qu'on s'en parle. Okay? Et on a fait un premier rituel où on a remis dans l'histoire le suicide du directeur général. Il était nommé, il y avait des photos, on a échangé là-dessus, il y a tout un rituel, OK? Et ça a duré 3-4 ans. Je pense que c'était là la fois où j'avais... Et vous savez comment ça s'est fini, première année? On a continué les autres années aussi à souligner, non pas le suicide du directeur général, mais les décès annuels, il s'en passe 10% par année. Et la deuxième année, les gens ont dit, « Ah, ça serait bien d'avoir un lieu de mémoire. » C'est la clientèle qui a trouvé le lieu de mémoire. Et la troisième année... Ils ont dit, on devrait planter un arbre. Il y a un arbre qui a été planté par Véronneau, celui qui vend des arbres artificiels. Il nous a donné un gros saule pleureur, okay, puis il l'a planté dans le ciment. Et à chaque année, il y a un cérémonial comme ça, où il y a des petits cartons au nom de la personne qui est accroché dans l'arbre. Il y en a déjà un paquet. Alors, il y a un début, sacraliser le milieu, des textes, des photos, des images, des actions, mais à la fin, ça se termine. Et vous savez comment on terminait l'année où on a eu l'arbre? C'était l'année de l'arbre. L'arbre est dans ses feuilles, Marie. Les gens étaient morts de rire. Okay? On était dans un rituel, mais ça avait tout son sens. Il y a un début, puis il y a une fin. Ça veut dire que le lieu où on le fait, on y entre avec un ordre, okay? Et on y sort aussi. On a une question là, Marie-Josée. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse autant à vous qu'à Joanne. Je me demandais si la traversée du deuil nous rend plus forts qu'avant la perte. Je crois qu'une fois qu'on a fait le chemin du deuil, une fois où on a était capable de mettre des mots
sur cette perte significative, qu'on a été capable de pleurer cette perte, de la partager avec l'autre, cette peine. Une fois qu'on a tout fait cela, je crois qu'on va récupérer quelque chose du lien qu'on a eu avec la personne. À défaut de pouvoir récupérer cette personne, on récupère enfin le lien qui ne meurt jamais. Et ce lien-là nous permet de continuer nos routes en étant inspirés par le défunt qui reste important dans notre cœur. Et cette inspiration nous vient donc du disparu et cette présence tout autre que celle qu'on a connue, qui est à la fois de l'ordre de celle qu'on a connue parce qu'on la porte en souvenir, cette présence, mais une nouvelle présence qui s'installe en nous parce que notre vie devient autre et on se sent accompagné malgré tout par cette absence qui est puissante dans une présence intérieure. Et donc, oui, ça peut nous transformer. Je pense que ça transforme à plusieurs égards. Pour certains, ça ouvre notre désir et notre capacité d'empathie envers les autres qui perdent aussi, comme nous, des êtres chers. Ça nous transforme parce que on s'aperçoit à quel point dans la vie, la relation significative est la base de tout, est à la rencontre de tout ce qui peut être important pour soi. C'est-à-dire la relation qu'on avait établie avec la personne malheureusement décédée, mais c'est cette relation qui renaît autrement à l'intérieur de soi et qui ne cesse de se transformer et donc de nous transformer. Et ainsi, c'est peut-être juste ça la bonne nouvelle à la suite d'une perte majeure, c'est de savoir que cette perte-là va nous amener vers un nouveau gain, un nouveau savoir sur nous qui n'aurait pas été possible dans la vie d'avant ou dans la vie de tous les jours. On est allé assez loin, au plus profond de notre peine, que l'art de rebondir nous amène à nous découvrir autrement, dans des zones qu'on ne connaissait pas de soi et que souvent on découvre en thérapie ou dans l'écriture ou dans nos lectures ou dans des belles rencontres. On découvre qu'on ne savait pas tout de nous, qu'on ne savait pas tout de l'autre qui est parti, qu'on continue à le découvrir à travers une histoire qui continue. Alors, c'est une transformation qui met du temps, parce qu'au début, justement, avec l'errance, avec le sentiment de s'être perdu en perdant l'autre, avec les retrouvailles qu'on va avoir d'une autre manière avec le disparu vont permettre de nouvelles retrouvailles aussi dans ce qu'on devient. On est toujours en devenir, au fond, même s'il y a eu des moments dans le deuil où on stagne, où ça bloque, où on n'est plus capable d'avancer, il y aura toujours des déclencheurs, des moments qui vont nous remettre en chemin, et c'est ce chemin-là qui va déboucher sur de nouvelles conquêtes, de nouvelles rencontres, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles façons dans la capacité d'être seul, de nouvelles façons d'être avec les autres. Alors, c'est une transformation qui ne cesse de nous faire avancer et qui ne cesse de nous aider à découvrir
des espaces en soi que la vie sans chagrin ne connaît pas. Il y a des espaces en soi que la vie sans chagrin ne connaîtra jamais. Et ça ne sert qu'à cela, le chagrin, à découvrir des horizons qu'une vie ordinaire ne connaît pas. Et quand vous êtes en deuil, vous êtes dans l'extraordinaire d'une vie. Ce n'est pas une vie ordinaire d'être en deuil. Et c'est après que vous découvrez toutes ces forces qui n'étaient pas en puissance parce qu'elles n'étaient pas sollicitées. Quand on fait une plongée à l'intérieur de soi, moi j'appelle ça la plongée sous-marine, on voit au fond de soi ce qu'on ne voyait pas à la surface de l'eau. Et c'est parce qu'on a été obligé d'aller très loin, au plus profond de notre peine, qu'on voit ce qu'un étang à la surface ne montre pas. Et c'est pour ça que quand on dit « ça vaut la peine que vous vivez », entendez bien, oui, ça vaut la peine de traverser l'épreuve. On parlait de détresse et de souffrance. La souffrance, elle fait partie de nous au quotidien. Une souffrance existentielle qui nous habite depuis le jour où on est arrivé dans ce monde et où il a fallu apprendre à respirer par soi-même, à manger un jour par soi-même, où il a fallu apprendre à vivre. Et cette souffrance nous a suivis tout le long avec des grands moments de joie et de bonheur. Donc, pour paraphraser Cyrulnik, il disait toujours « la vie est un tricot de peine et de joie. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. » Et c'est ainsi la vie. Ce n'est pas vrai qu'il y a des êtres qui souffrent et d'autres pas. Tout le monde souffre, mais parfois on a des coups plus durs, donc au moment de la perte d'un être cher. Et c'est pour ça qu'avec tout le respect que j'ai pour Gilles et d'autres penseurs, je ne suis pas d'accord avec le fait que toute perte dans la vie se compare à la perte d'un être cher. Pour moi, la perte par la mort est pareille à nul autre dans la vie, même si on perd son travail ou des choses très importantes. Et Gilles a fait des recherches et des présentations extraordinaires sur perte et transition. Et il m'a beaucoup inspirée, mais je suis toujours restée convaincue que la perte par la mort n'a rien de semblable à nos pertes de la vie, dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de retour de la personne. Et moi, je disais toujours, quand les gens venaient me voir, si je pouvais être magicienne plutôt que psychothérapeute, je dirais, ramenez-le dès maintenant pour que cette personne-là devant moi, je puisse l'aider à sécher ses larmes, à essuyer ses larmes. Eh, Seigneur, mais ça n'existe pas, cette magie. Mais il y a une magie encore plus forte, qui est une magie à l'intérieur de soi, capable de transformer le pire vers le meilleur. Et ça se fait, et c'est possible. Sinon, j'aurais lâché mon métier. Si j'avais pas su qu'un endeuillé un jour ira mieux, j'aurais pas été capable de faire mon métier. Jamais. C'est parce que j'ai vu un jour, ça peut prendre du temps, 4 ans, 5 ans, 12 ans. Soyez pas découragés. Parce que pendant ce temps-là, il se passe quelque chose au fond de nous. Même quand on pense qu'il se passe rien, c'est un travail de souterrain qui un jour va faire surface. Dans le film, tu as vu le film Pardonner? Pardonner. Oui, oui. C'est une journaliste française, oui, qui a interviewé des personnes qui avaient vécu des coups épouvantables et
ça dépasse, le thème dépasse beaucoup le pardon, là. Et dedans, il y a une amie qui, elle, m'a envoyé d'ailleurs ce film-là, qui dit, elle, sa fille a été à l'hôpital, puis c'est une erreur médicale, ils ont donné 2 fois 1 gramme au lieu de 2 fois 1 milligramme, puis elle est morte. Et dans son récit, elle dit, je suis pas certaine que je serais devenue la personne que je suis devenue si ça n'était pas arrivé. Oui. On ne fera jamais l'éloge de l'épreuve et de la souffrance, mais puisqu'elle fait partie de notre vie, aussi bien en faire quelque chose. Hein? Aussi, en faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas l'éviter, on peut pas, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de rien. Donc, on se dit, soyons juste confiants qu'on va passer au travers, non pas par-dessus, mais au travers. Moi, je pense que le deuil, c'est le début du bras dans le tordeur, et puis heureusement, après, on retrouve notre bras, je ne sais pas de quel miracle, mais réellement, on ne pense pas hein, qu'on va s'en remettre. Ça dépend à quel moment du deuil on se retrouve, mais au tout début d'un deuil, moi je crois qu'on se dit, je ne me remettrai jamais de ça, ou je ne pourrai pas, ou je ne serai plus jamais heureuse, ou je ne connaîtrai jamais la joie. Mais c'est normal qu'on se dise ça, parce que c'est vrai ce qu'on ressent à ce moment-là. Et heureusement, c'est ça la transformation. C'est qu'on ne vivra pas ça toujours comme c'est aujourd'hui. Mais ça prend un acte de foi là, pour dire « je ne souffrirai pas autant avec le temps ». Mais le temps, ce n'est pas parce que le temps arrange les choses, c'est ce qu'on fait avec ce temps qui nous est alloué pour avancer. C'est ça qui est la différence. Hein? Je ne sais pas si... J'avais peut-être une dernière chose avant de finir. Parce oui. Oui, mais je voulais juste aussi, avant qu'on quitte, m'assurer que les gens qui sont sur le web n'ont pas souhaité absolument... nous livrer. Non, ça va. Ils nous écoutent. Ils nous écoutent. Merci. Merci d'être là. Je voulais finir avec, sur un ton peut-être un peu léger, fiez-vous pas trop à nous deux. Fiez-vous pas trop professionnel. À preuve. Hein? Pas rien. C'est une histoire de berger. Un berger faisant paître son troupeau au fond d'une campagne quand d'un nuage de poussière surgit une rutilante Range Rover venant dans sa direction. Le chauffeur, un jeune homme dans un complet Armani, chaussures Gucci, vert fumé Ray-Ban et cravate Hermès, se penche par la fenêtre et demande au berger « Je peux vous dire exactement combien vous avez de moutons dans votre troupeau, vous m'en donnez un ?» Le berger regarde l'homme, puis son troupeau, broutant paisiblement, et répond simplement « Certainement ». L'homme garde sa voiture, ouvre son ordinateur portable, branche à son téléphone cellulaire, navigue sur Internet vers la page de la NASA, communique avec un système de navigation par satellite, balaie la région, ouvre une base de données de quelques 30 fichiers Excel ou formules complexes. Finalement, il sort un rapport détaillé d'une dizaine de pages de son imprimante miniaturisée et s'adresse au berger en disant « Vous avez exactement 1586 moutons dans votre troupeau. » Exact, dit le berger. Et comme nous l'avions convenu, choisissez-en un. Il regarde le jeune homme faire son choix et expédie sa prise en arrière de son véhicule. Puis il ajoute. Si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, vous me rendez mon mouton? L'autre dit, pourquoi pas? Vous êtes consultant qualité, vous faites des audits, dit le berger. Vous avez parfaitement raison, comment avez-vous deviné? C'est facile. Vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connais la réponse. Et manifestement, vous ne connaissez rien à mon métier. Maintenant, rendez-moi mon chien. Merci pour cette note qui nous fait bien rire. Oui. Alors, moi, je tiens à remercier Gilles
pour cet exposé vraiment qui nous a amené des images, des souvenirs et qui nous aide un peu à reconnecter avec notre histoire. Merci aussi de nous avoir parlé de ton frère et puis de voir aussi à quel point ce qui nous arrive dans la vie, quand on parle de transformation, a pu justement, en tout cas, tracer un certain chemin dans ta vie. Hein? Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je tiens à vous remercier d'être ici, d'accepter de venir parler de propos qui sont douloureux, mais qui en même temps font du bien parce qu'on est ensemble. Et vous savez, pour revenir à l'éclipse solaire d'hier, j'écoutais Diane Dufresne qui a dit « Avez-vous vu tout le monde ensemble regarder au même moment le ciel? Tout le monde ensemble ébahi dans un même temps pour quelque chose qu'on a tous vécu ensemble. » Elle a dit « Si nous regardions plus souvent le ciel, il y aurait moins de misère sur la terre. » Et c'est vrai que ce que je retiens, c'est cette communion entre les humains qu'il y a eu hier. Et moi, je trouve qu'à chaque fois que vous venez ici, c'est comme une communion entre nous. Et ça fait beaucoup de bien de savoir que vous êtes là, disponible et aussi ouvert à nous livrer vos commentaires, à nous poser des questions. On vous invite à revenir. La prochaine soirée rencontre sera le 6 mai. Lundi, on reprend le lundi, et nous aurons un témoignage percutant. Je vous invite vraiment à revenir si vous le pouvez, et je vous souhaite un très beau mois d'ici ce temps-là. Plus ça va aller, plus on va se présenter ici sans manteau, sans par-dessus, libre, libre, beaucoup, beaucoup allégé. Alors, vive le printemps! Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, Gilles.